Nous voici de retour dans les studios de TV à Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Anti. Le rédacteur en chef André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Anti est avec nous. Présent également notre confrère consultant éditorialiste Thierry Fundéré est présent également. Monsieur Florent Philippot répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique Tiercé. Alors, monsieur le député, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement sur les écrans. Alors, un numéro entre 1 et 10, s'il vous plaît. 7. Alors, un chiffre impair, que se cache-t-il derrière la question numéro 7 ? Alors, que se cache-t-il derrière la question ? Quelle est votre position sur l'immigration ici en provenance d'Haïti et de la Dominique et de la République dominicaine ? Ma position est la même que la position générale que j'ai sur l'immigration, c'est-à-dire que nous devons être en mesure de contrôler qui vient sur le territoire et nos territoires, quelle que soit la provenance d'ailleurs, et lutter, mettre fin à l'immigration clandestine, évidemment, beaucoup mieux contrôler l'immigration légale qui est trop importante. Notre pays ne peut plus, quels que soient ses territoires, ne peut plus se permettre d'accueillir autant d'immigration légale. Et par ailleurs, vous savez que moi je crois au modèle de l'assimilation républicaine qui a été abandonné au fil des années au bénéfice du communautarisme, où il y a des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Et Colomb nous a dit, Gérard Colomb en partant nous a dit, elles vont vivre bientôt les unes face aux autres. Ça a déjà largement commencé. Voilà, c'est toute une politique à mettre en œuvre, mais ça, évidemment, ça ne peut pas être réglé simplement au niveau des Antilles, ça doit être réglé au niveau national. D'accord. Un autre numéro, s'il vous plaît, toujours entre 1 et 10, bien sûr. Un numéro pair, cette fois-ci, 4. Le 4, que se cache-t-il derrière la question numéro 4 André-Jean... Non, Thierry Fundéré, pardon, si vous voulez bien la lire. Quelle est votre définition du racisme aujourd'hui en France et comment le combattre efficacement ? Je crois que la définition, tout le monde la connaît, ou la, c'est que discriminer ou avoir de la haine ou du rejet de quelqu'un en fonction de sa, on dira pas race, parce que c'est pas le terme aujourd'hui, mais en fonction de sa couleur de peau. Bon, alors ça on sait, il y a des racismes d'ailleurs, toutes sortes de racismes, je crois que tout le monde est concerné dans tous les sens aujourd'hui. Comment on combat ? On combat par ce qu'on fait, par l'éducation, dès le plus jeune âge, on doit apprendre que c'est totalement, que c'est mal. Il y a du bien, il y a du mal. Et ça, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle des parents. On le fait suffisamment. C'est le rôle d'une société. On le fait suffisamment. Je pense que l'école a quand même pris conscience de ça et que ça avance. Après, c'est aussi aux familles de le faire. Bon, ça, c'est, on ne peut pas remplacer les parents, on le sait bien. Mais aussi, je crois que structurellement, je crois qu'une société multiculturelle amène à être et multiconflictuelle. Et que plus on essaie de faire vivre des communautés entre elles tout le temps avec une immigration qui est massive, plus on va prendre le risque de monter des gens les uns contre les autres parce que les gens ne se supporteront plus. Voilà, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça se règle aussi par une réduction forte de l'immigration. Alors, un nouveau numéro, toujours entre 1 et 10, évidemment, vous avez pris le 7 et le 4. Vous allez, le 10. Le 10, chiffre pair. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question qui se trouve derrière ce numéro. Le Frexit, comment sortir de l'Europe ? Les Anglais s'en mordent un peu les doigts, apparemment. Ah non, je ne vous permets pas de dire ça. Mais tous ces gens qui défilent dans les rues. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Ces centaines de milliers de personnes qui défilent dans les rues. Vous aurez toujours des gens qui ont du mal avec la démocratie. Tous ces gens qui sont en France et qui se disent, mais est-ce que... qui sont Anglais, qui sont en France et qui se disent, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Non, non, mais alors, la vérité, honnêtement, ouais. On a construit en France une espèce de légende dans les cercles médiatiques où on fait croire que c'est l'apocalypse. Londres est 10 fois plus dynamique que Paris en ce moment. Oh oui, de toute façon, ça vous avez plus de croissance, un point de plus de croissance économique au Royaume-Uni qu'en France. Vous avez 4% de chômage au Royaume-Uni, ça ne cesse de baisser. En France, ça augmente, vous avez vu. Et on n'est pas à 4% malheureusement, c'est leur taux le plus bas depuis 45 ans. Les salaires augmentent, ça a épouvanté le monde, je crois qu'il y a fait un article. Les entreprises britanniques, c'était ça le titre, les entreprises britanniques contraintes d'augmenter les salaires à cause du Brexit. Ben, moi, je dirais grâce au Brexit, parce qu'on a besoin d'augmenter les salaires. Et effectivement, ils ont augmenté 3% parce que l'immigration commence à baisser. Et comme l'immigration est utilisée pour faire baisser les salaires, bah si l'immigration baisse, les salaires augmentent. C'est un cercle vertueux. Alors oui, il y a l'étude péripétie. Parfois, on entend qu'il y a un ministre qui démissionne et alors en France, il ne démissionne pas. On en a déjà perdu 7 depuis le début de la présidence Macron.
Bah oui, mais ça, ça fait partie de la vie politique et démocratique, c'est pas grave. Mais les Britanniques, c'est une démocratie mature, et ils vont retrouver leur indépendance. On a appris aujourd'hui, c'est très intéressant, qu'eux, ils mettent en place une taxe sur les GAFAM. Vous savez, Google, Amazon, Facebook, etc. Ça y est, unilatéralement, ils la mettent en place parce que nous, la France, si on voulait le faire, on veut le faire d'ailleurs, soi-disant. Mais on n'a pas la compétence, on n'a pas le droit de le faire. On est obligé d'attendre que l'Union européenne le fasse. Et l'Union européenne ne veut pas le faire, parce que le Luxembourg ne veut pas le faire, etc. Donc, en fait, vous voyez, la liberté a des avantages. Mmh. L'indépendance a des avantages. On parlait des pesticides. Si demain, les Britanniques veulent interdire les pesticides, ils auront le droit de le faire. Nous, on doit attendre l'autorisation de Mme Merkel et de M. Juncker, c'est-à-dire le président de la Commission européenne. Franchement, on n'est pas... Là, aujourd'hui, on est un pays sous tutelle. On est un peuple sous tutelle. C'est insupportable. On doit être un peuple majeur. Comment on le fait ? Mon livre qui s'appelle Frexit, hein, c'est le premier livre qui explique comment on doit, pourquoi et comment on doit sortir de l'Union européenne. Je recommande à tout le monde. J'espère qu'il est dans les librairies ici. Je ne suis pas certain, malheureusement. Il est... Outre-mer, c'est plus compliqué, j'ai l'impression. J'en suis vraiment... Ça, je trouve que ce n'est pas normal. Mais en tout cas, il est au moins en vente en ligne sur Amazon, sur les surfaces de vente en ligne. Et franchement, il explique tout. Et je l'ai fait pas cher et je l'ai fait concret pour que tout soit compréhensible. Bien, merci. Merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la dernière rubrique de cette émission. C'est l'heure de l'ordonnance. Alors, comme un docteur, vous allez nous prescrire une ordonnance. Et la première ordonnance pour ETV, quelle est justement en 5 points maximum, quelle est votre ordonnance pour régler et relancer les problèmes économiques en Guadeloupe ? Alors, 5 points. Donc, premier médicament que je prescrirais, c'est qu'on augmente immédiatement, enfin, sur 5 ans, le SMIC de 25%, donc 5% dès la première année, parce que je pense qu'on a besoin de remettre du carburant dans le pouvoir d'achat pour faire redémarrer la machine économique. Deux, on baisse les charges des petites entreprises, en particulier dans ces territoires. Ah bah de combien, il faut regarder selon les secteurs, mais il faut les baisser. Moi, j'ai discuté encore hier avec des chefs d'entreprise qui ont beaucoup de difficultés. Trois, mise en place du patriotisme économique. Donc suppose de sortir de l'Union européenne. On n'a pas le droit de le faire. On parlait de la banane tout à l'heure, c'est un exemple. Donner une priorité aux productions locales. Une priorité aux productions locales et nationales. Ça s'appelle le patriotisme économique. C'est totalement interdit par les règles européennes aujourd'hui. Donc il faut en sortir. Quatre, si j'essaie d'avoir 5 points, je pense qu'il est indispensable de miser sur l'éducation et la formation. Indispensable, c'est l'emploi de demain. Et 5, évidemment, sur les grands services publics, on parlait de l'eau, on parlait de la santé, mais il est évident que des entreprises et des investisseurs, français ou étrangers, ne viennent pas, ou viennent beaucoup moins, si vous n'avez pas des services publics et des infrastructures modernisées en permanence et de qualité. Bien, merci. Une prescription pour le France entier, André-Jean Vidal. Comment pourrait-on résoudre la question de l'immigration ? Parce qu'on a vu que les barbelés, ça marche pas, les murs, ça marche pas, enfin, ça marche nulle part, quoi. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, quelque chose d'humain qui éviterait cette crise ? Parce que c'est une crise énorme. Vous avez raison, il faut être humain. C'est un sujet qui parle d'hommes, de femmes, c'est d'enfants, ça, tout à de fait. Gens qui souffrent. Les bien migrants ne sont pas des, bah des gens heureux de partir la plupart du pas. Temps, enfin, même tout le temps, je dirais. Comment on fait ? Il y a deux grands volets. Il y a un volet sur nos territoires d'accueil, où il faut retrouver des frontières nationales, tout simplement. Alors vous dites barbelés, ce n'est pas forcément des barbelés, ce sont des contrôles, des douaniers, des frontières. Ça, c'est un moyen de quand même contrôler les choses. Il faut retrouver une maîtrise de nos politiques d'immigration, c'est-à-dire que si nous souhaitons naturaliser ou pas naturaliser, accueillir ou ne pas accueillir, donner le statut de réfugié ou ne pas le donner, il faut que ce soit nous, selon nos critères, qui puissions le décider. Aujourd'hui, ça n'est absolument pas le cas. Là aussi, gros problème, Union européenne et Cour européenne des droits de l'homme, je l'ajoute. CEDH qui est un autre grand problème, puisqu'elle nous oblige au regroupement familial massif, entre autres choses. Et il y a un deuxième grand volet, c'est les pays d'origine. Les pays d'origine, il faut travailler sur le co-développement. Mais nouvelle génération, moi j'en ai discuté avec Jean-Louis Borloo. C'est plus des pays, c'est des territoires, mais c'est plus des pays, parce qu'un pays c'est un alors, État, etc. Oui, oui. etc. Quoi. Donc, ça dépend des endroits, mais c'est bah vrai oui, que souvent il y a aussi des zones de chaos, bah comme oui, la Libye bah, ou d'autres. On travaille sur le co-développement intelligent avec des acteurs publics, des acteurs privés, mais sur des choses extrêmement concrètes. Borloo me disait, lui, travaille sur l'électrification. Parce que quand vous n'avez pas d'électricité dans un village, par exemple en Afrique, eh bien, vous quittez votre village pour aller là où il y en a. Alors, s'il n'y en a pas en ville, parce que vous en avez besoin pour votre éducation, votre emploi, l'accès à la culture, ce que vous voulez, l'accès aux soins. Et une fois que vous êtes en ville, bah, vous êtes amené à partir dans les cordes de l'immigration.
Si vous avez la petite centrale qui permet d'avoir de l'électricité dans votre région, ben vous restez et vous fondez votre famille, vous trouvez du boulot sur place. C'est ça, être extrêmement concret. Voilà. Alors c'est un petit investissement, bien sûr, qu'on ne doit pas faire seul, on n'a pas les moyens de le faire seul, mais c'est un investissement et je vous assure que réguler, limiter fortement ces flux d'immigration, ça nous fera gagner beaucoup d'argent par ailleurs. Bien, merci. Une prescription pour Thierry Fondéré. Alors, les maux de la France sont multiples, hein, chômage, manque de compétitivité, croissance molle, mais plaçons-nous sur le terrain sociétal. Quelle serait votre prescription pour améliorer en France et donner du sens au mieux vivre ensemble ? Je crois qu'il faut redessiner un... Il faut retisser le, si vous voulez, le tissu national, c'est-à-dire qu'il faut, redessiner une perspective nationale, déjà. Qu'on sache qu'on fait partie de la nation française. Est-ce qu'on nous le dit ? Est-ce qu'on le valorise ? Regardez ce président qui ne veut même pas célébrer les 100 ans de la victoire du 11 novembre 2018 pour le 11 novembre 1918. Et il va faire, je crois, une itinérance mémorielle. C'est une espèce de novlangue insupportable. Évidemment, ça ne crée pas du sens, ça ne crée pas du lien. À l'école, est-ce qu'on le fait ? Non, j'ai l'impression que malheureusement, on apprend l'histoire de France déjà de manière de plus en plus déconstruite et déstructurée, et sans donner de sens et de fierté nationale. Est-ce que le drapeau, c'est quelque chose de honteux, de fermé de... On a le droit de sortir pour la Coupe du Monde, mais sinon, le reste du temps, on nous dit que ce n'est pas bien. Mais pourquoi ? Dans beaucoup de pays du monde qui sont parfaitement ouverts, pas du tout racistes, pas du tout fermés, on a le drapeau national, on en est fiers. Et c'est un motif au contraire d'unité. Donc déjà, recréer ce roman national, ce sens national. Deux, il faut retrouver ce sens de l'assimilation républicaine et non pas du communautarisme, j'en parlais tout à l'heure. Et trois, il y a la question de l'emploi qui est énorme. Parce qu'une société où il y a un chômage de masse, je vous assure que c'est une société explosée, c'est une société déstructurée. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, il y a des gens qui, quand ils sont au chômage depuis 3 ans, ben ils se sentent complètement exclus de la société. Et donc, ben, ça crée des divisions. Voilà. Donc on revient, je ne veux pas redévelopper l'économie, l'immigration, on en a parlé avant, mais ce sont des points fondamentaux pour faire du... Ça, ce sont des cancers de la société. Hein. Et ça fait tellement longtemps, ça fait des dizaines d'années que la France y est confrontée, que notre société commence à se détruire de l'intérieur. Bien, merci pour ces prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV, UFM, RTL. Nous allons passer à la rubrique justement de promotion de la presse. Alors, quoi de nouveau chez vous, André-Jean Vidal ? Alors, la route Route du Rhum, parce que la Route du Rhum est partie. Là, mais 40 ans d'ailleurs. Elle est partie, et puis voilà, c'est les 40 ans de la Route du Rhum. Puisque, donc, vous aurez là-dedans un portrait. Oui. Des 8 skippers guadeloupéens. Mm-hmm. Vous aurez l'actualité des autres skippers, bien sûr, puisqu'il y en a 123. 123. Et puis vous aurez un gros volet historique. Je vous l'offre. Bien, merci. Vous suivez la Route du Rhum ? Je la suis trop lointainement, donc je vais m'y intéresser grâce à vous et pour les 40 ans. Absolument. Et alors, deuxième... C'est pas encore pour vous, ça, mais c'est le magazine Ensemble. C'est le magazine pour les 50 ans et plus. Ah oui, d'accord. Non, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, donc, de France Antilles. C'est un magazine que vous trouvez en Guadeloupe, en Martinique. Et là-dedans, vous avez toutes les informations pour les 50 ans et plus. Mais les enfants de ceux qui ont 50 ans et plus sont aussi les bienvenus. Ils trouveront à l'intérieur beaucoup d'informations qui leur permettront de comprendre leurs aînés. Bien, merci. Voilà, cette émission est finie. Face à la presse, vous allez le retrouver la semaine prochaine. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio sur EFM RTL, retrouvez dans un instant le journal local suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.